au milieu des champs. Joli, attends, je vais regarder, je vais prendre une photo. On fera une pause en haut. Parce que là j'ai fait 9 km avec vous, plus à peu près 6 km avant, donc à 15 bornes, je vais perdre un bâton de batterie. Bon, je vais récupérer tout à l'heure, on va ralentir un petit peu la cadence. C'est magnifique. C'était la rigolade. Je pourrais avancer plus vite, pas trop gaspiller ma batterie. Je vais me faire un bâton. J'ai pas fait 20 km. Je suis en assistance 4, ça va très très bien. Alors, on va où à droite là?
De la des falaises de Marmoutte. Donc, la semaine dernière, en fait, j'étais en bas de la forêt, là, de l'autre côté de la rive. Donc, on va y aller tout à l'heure. C'est vraiment un chemin j'ai trop kiffé. Quand j'étais dedans, là, je me sentais comme à mes 14 ans. Note avec une freine devant et freine derrière. Freine devant, freine derrière. Ça dépend comment je freine. Si je freine doucement, ça couine. Dans les vidéos, c'est pas un VTT. On va faire des chemins de VTT, mais on ne fera pas la même cadence que les VTT. C'est-à-dire sur certains parcours, on ira plus vite, comme sur le plat ou sur des légères côtes en fait. Hein. Pour les descentes, accroche-toi, c'est pas le même poids au niveau du freinage. Ça n'a rien à voir, les amortisseurs, ça n'a rien à voir non plus. Par contre, avec ce vélo, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une meilleure position de conduite. J'ai une selle qui est vraiment extraordinaire et qui me fait vraiment pas mal au cul. À part ça, je ne peux pas me m'emmène où je veux. Je calcule les itinéraires de maximum 50 km avec la batterie de 16 A. Et on va dire maximum 40 km avec la batterie de 13 A pour être sûr de ne pas tomber en rade. Descendre les premiers escaliers.
Bonjour. Non, non, n'ayez pas peur. Là, c'est joli par contre. On arrive à un parc familial. Magnifique. Bonjour. Pourquoi on a perdu deux bâtons de batterie? C'est l'idéal. Alors je prends à droite. Donc on en est à 27 km. Il va nous rester à bon 20 km. C'est par là la plage? Voilà. Ok, merci. Bonjour. Allez, on va se mettre enceinte et ça sera bien. Ça danse un peu meilleur. 30 km/h, c'est l'idéal. Doucement, c'est pas très vite. Thank you.
écoutez, si vous aimez ce genre de balade, je vais faire comme tout le monde. Abonnez-vous, mettez un like. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est en tout cas sympa pour ceux qui l'ont fait dernièrement. Côte d'enfer. En haut de la côte là, retour sur Clermont-Ferrand. On a fait pour l'instant 38 km. Ouais, c'est ça, il doit me rester à peu près 11 km pour les détours et peut-être 12 km.